est un aliment très répandu dans de nombreuses cuisines du monde. Il existe depuis des centaines d'années, c'est un fabuleux ingrédient. Mais surtout, c'est aussi un incontestable remède. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. C'est simplement parce que ses vertus sont de l'ordre de l'inimaginable. Sachez que par le passé, nos ancêtres s'en servaient pour conjurer le sort, chasser le diable, les vampires. Bref, pour votre santé, vous pouvez vous en servir de plusieurs manières. En plus d'être l'un des meilleurs assaisonnements, l'ail est un puissant allié pour votre santé. Il permet de traiter des problèmes de sommeil. Si vous souffrez de terreurs nocturnes, de cauchemars, de nuits agitées, de nuits tourmentées et autres, prenez quelques gousses d'ail comme ceci, coupez en deux et mettez dans une chaussette, comme vous pouvez le voir là, d'accord? À peu près cette quantité, voilà, deux à 3 gousses d'ail, comme ça, ça va suffire. Vous coupez en 2 voire en 3. D'accord? Vous allez mettre ça dans une chaussette propre. Hein, si vous n'aimez pas l'odeur, bien sûr, vous pouvez directement mettre ça comme ça sous votre oreiller. Sinon, je vous invite à utiliser une paire de chaussettes simplement comme celle-ci, dans laquelle vous allez mettre cela. Comme ça. Donc utilisez bien une chaussette légère. Une fois que c'est bon, vous placez ceci sous l'oreiller, ensuite dormez. Faites ça même après que vos terreurs nocturnes se soient arrêtées pour chasser définitivement cela. Sachez que l'ail est en réalité un aliment riche en calories, pouvant aller jusqu'à 100 kcal pour 100 grammes seulement. Cependant, personne n'en consomme vraiment autant d'ail. Il est donc presque impossible de prendre du poids en mangeant seulement de l'ail. Il contient des glucides complexes, des protéines qui améliorent vos performances physiques, votre santé mentale. L'ail est également riche en vitamines, en minéraux tels que la vitamine B, le sodium, le potassium, le magnésium. Il est également riche en allicine et beaucoup de composés soufrés. L'ail peut traiter les infections, les troubles métaboliques, les problèmes respiratoires. Il contient des antioxydants, des anti-inflammatoires qui contribuent à la santé cardiovasculaire. Il réduit le taux de cholestérol dans le corps, régule la pression artérielle du corps. Cela peut également aider à augmenter le flux sanguin et à prévenir d'un vieillissement prématuré. Il peut également tuer les germes, mieux que certains antibiotiques prescrits en pharmacie et voire par vos médecins. Il peut également aider à lutter contre l'accumulation des liquides dans le corps, des inflammations des tissus. Une autre façon de profiter des avantages de la capacité de l'ail de favoriser le sommeil va consister à préparer la boisson que je vais vous présenter ici dans quelques secondes. C'est très simple, ça va vous aider à vous détendre et surtout à avoir de meilleures nuits, mes amours. Pour cette préparation, vous aurez besoin simplement d'une gousse d'ail pour un verre. Donc ça veut dire si vous voulez faire trois verres, trois préparations différentes, je vous conseille de prendre trois gousses d'ail comme vous pouvez le voir. Mais concrètement, ici nous n'avons besoin que d'une gousse d'ail qu'on va émincer. Mais bien sûr, vous pouvez directement l'écraser si ça vous en dit, c'est la même chose. En parallèle, vous aurez besoin d'un verre de lait. D'accord, moi je vous conseille toujours de prendre du lait entier et bien sûr d'une cuillère de miel. Je vous ai toujours dit, mes amours, si vous prenez du miel, investissez un petit peu d'argent pour prendre le meilleur miel qui soit, parce que les vertus du miel pour votre santé sont exceptionnelles. Donc ne rechignez pas, mettez 20-30 € pour acheter du bon miel et sachez que ça va vous aider sur le long terme. Ce que vous allez faire, vous allez simplement mélanger votre verre de miel et de lait dans un bol, dans une casserole comme celle-ci. Voilà. Voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre l'ail après, si comme vous voulez. Je vous ai dit que l'ail, vous pouvez aussi l'écraser, d'accord? Bon, une fois que vous avez mis les deux comme ça, vous allez passer à ébullition. Donc, une fois que ça y est, ça refroidit, vous allez déverser dans un verre comme ça.
Bien sûr, je vous ai dit, vous pouvez émincer votre truc, hein, c'est pas... Une fois que vous avez bien laissé refroidir, comme vous pouvez le voir, vous ajoutez simplement une cuillère. Voilà, votre préparation est prête. Vous devriez pouvoir boire ceci 30 minutes avant d'aller vous coucher. Et je vous assure, les résultats sont simplement exceptionnels. Donc voilà, pensez bien à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Likez, commentez, abonnez-vous. Pensez aussi à ma nouvelle chaîne Rose Mouni Naturopathe. Bisous, bisous. Ah, c'est vraiment très très bon. Ah mes amours, je vous assure, ne devrez pas hésiter à faire ça chez vous.